course de dragons commence! Bienvenue, elfes et dragons, à la grande course de dragons annuelle d'Elvendale! Le vainqueur remportera cette aile d'or, inspirée par nos dragons. Oh, ce trophée sera encore plus beau une fois entre mes mains! Cette course comporte des défis portant sur les quatre éléments. Aucun des participants, qu'il soit elfe ou dragon, ne sera donc avantagé. Thorn et moi, nous avons l'avantage d'être géniaux! La magie est autorisée, mais uniquement pour s'aider soi-même et non pour pénaliser les autres participants. Vous avez entendu? Personne n'a intérêt à saboter ma course. Ni la mienne! Ni la mienne! D'autant que je n'ai aucun pouvoir magique. Elf, Emily, il est temps de monter vos dragons. Et que le meilleur dragon gagne! Le plus important, ce n'est pas de gagner. Bien sûr! Et c'est toi qui montes la reine dragon. La victoire, c'est tout ce qui compte! Et je suis absolument certaine de remporter cette course! Ne t'emballe pas trop vite, je ne m'avoue pas aussi facilement vaincue. Alors tu ferais mieux de... Des gâteaux! Ohé! Maître Dragon! Les pâtisseries, c'est par ici! La boulangerie magique est le principal sponsor de cette course. Vous voulez gagner? Bien sûr que vous le voulez! Biscuits gratuits pendant un an! Miam miam! Oh, ça en fait des pâtisseries, de délicieux, hein? Les meilleurs gâteaux que soit, avec de la crème au beurre. Oh, mais il est trop chou, ce petit. Oh, il veut aussi participer à la course. Que le meilleur dragon gagne. Bye bye. Ah bon? C'est ce que tu crois? Farhan, c'est génial! Tu as l'air complètement dans ton élément! C'est mon meilleur client! Oh, oh. Farhan est encouragé par Sira et Johnny Pan lui offre des pâtisseries gratuites! Oh, trop c'est trop! Nous sommes toujours ouverts, sauf en ce moment, vu que je suis ici. Et le grand gagnant est... Un bébé! Le pouvoir de la concentration. Cette petite est restée concentrée sur le prix jusqu'au bout. Rain remporte la grande course de dragons d'Elvendale! Eh bien, on avait dit que le meilleur dragon gagne. Et j'ai bien l'impression que c'est elle.